Bonjour à tous pour la cuisine de Le Monde. Nous proposons deux recettes. Une recette sucrée, la galette de roi, et une recette salée, la quiche de reine. Voilà, Michela, Benedetta et Emmanuel pour la galette de roi. S'il te plaît, tiens, le tablier. Non, le tosso. Le tablier. Voilà les ingrédients. Deux pâtes feuilletées à dérouler. Une petite boîte de pêche au sirop. 125 g de poudre de monde. Les amandes concassées. 100 g de chocolat noir, 3 œufs, 100 g de beurre, une cuillère de lait, 100 g de sucre, une fève. Dans une bol, mélangez le beurre mou coupé en petits morceaux. Avec le sucre et la poudre de noix. Mélangez bien. Ajoutez une fontière. Répétez cette opération avec un deuxième œuf. Mélangez bien. À toi, Michela. Merci, Michela. Faites fondre les chocolats noirs au bain-marie. Laissez refroidir, puis mélangez à la crème d'amande. Merci, Michela. Déroulez un pâte de thé sur un plaque, recouvert de papier sur frisé. Et badigeonnez les bords avec un pinceau et un peu d'eau. Étalez la crème au centre. Recouvrez de la mel de poire au pêche au sirop. Puis ajoutez un fer. Oh, un petit éléphant. Merci, Benedetta. Contenete croccante alla galette, aggiungete che il morso di mandorle con cassier. E cubri la prima parte e la seconda. E le, sur le bord avec le duag. Qui replieve l'intérieur per bien soldare due parti. Avec les doigts de la couteau, chiquettez les bords de la pâte pour renforcer la soudure et décorer la galette. À toi, Michela. Merci, Michela.
Mélanger un œuf avec un cuillère à soupe de lait. Badigeonner la galette. Avant de la mettre tra minutes au frigo. A tua, Benedetta. Merci, Michela. Ripetere l'operazione alla sortire du frigo. Puis designer le forme votre choix. Tornez à four chaud à 240 degrés pour 10 minutes. Cuillez à 180 degrés pour 20 minutes. Et voilà la galette de roi.